Bonjour les amis, donc aujourd'hui hein, je suis passé à côté d'un gros quintet dans l'ordre, hein. C'est dommage. Hein. Et oui, ben, j'avais vous donné bon, ben, le 12 gagnant, le 1 placé à 30 contre 1, c'était mon coup de cœur, hein, le 1, avec le 12 dans les favoris. Ensuite, eh ben, on a le 2 placé, ce qui donne quand même le couplet gagnant 12 et 1, je vous donnais. Le couplet placé 12 et 2 et le couplet placé AC 2. Et ensuite, ben, je vous donnais le. Ben, j'ai regardé hein, tous les pronostiqueurs de la presse. Personne donnait le 3 hein, que je vous donnais en coup de cœur à 250 contre 1. Personne ne le donnait et je vous le donnais en coup de cœur. Et il finit 5e. Ça, c'est bien dommage parce que le 4e, c'est le 10 et c'était mon regret. Voilà, ben, c'est vraiment un regret, oui. Parce que ça m'enlève le quintet dans l'ordre, c'est dommage. Là, franchement, c'est vraiment dommage. Ce 3, je crois qu'il n'y a que le propriétaire qui a parlé après la course, et moi qui y croyais. 258 contre 1. Ça, c'est vraiment dommage. Ah, je me répète, mais ça fait mal. Parce que là, j'avais tout avec l'as à 30 contre 1. Bon, ben, je vous donne quand même, moi je vous dis, les couplets gagnants placés, les 2 sur 4, le multi, et voilà. Tout sauf ce disque que j'avais mis en regret. Donc voilà. Bon, demain on va essayer de faire mieux, céder. Enfin, ben, déjà on va voir la tête du caissier, hein, c'est déjà pas mal. Et ben, défaut du quintet, ben, on ramasse ce qu'on a pu ramasser. Voilà pour ce demain. Donc mercredi, céder, on va à Cagnes. Donc je vous ai fait une petite sélection. Avec comme d'habitude hein, mes coups de cœur favoris et outsider. D'ailleurs, je pense qu'il sera outsider, une belle cote, je le mets en tête. Je vais vous expliquer. Alors, dans ma sélection, j'ai mis le 7, le 5, le 2, le 6, le 1, le 9, le 4 et le 3. Et en regret, le 13. En espérant qu'il ne me fasse pas comme le 10 aujourd'hui. Alors je vous répète hein, la sélection, le 7, le 5, le 2, le 6, le 1, le 9, le 4 et le 3. Et en regret, le 13. Alors dans mes favoris, coup de cœur, le 5, le 2 et le 6. Ça c'est mes favoris coup de cœur. Et dans mes favoris, dans mes coups de cœur, Outsider Tokar, le 7 et le 9. Voilà, le 7 que je place même en tête de ma sélection. Donc pour mes 4 et 5 chevaux préférés, c'est le 7, le 5, le 2, le 6 et le 1. Donc 7, 5, 2, 6, mes 4 préférés. Et rajouter le 1 pour les 5 chevaux préférés. Pour le quintet en champ réduit, donc je vous ai fait 7, 5, 2, 6 en base, avec en X 1, 9, 4, 16, 13, 12, 10 et 11. Donc je vous répète les bases, 7, 5, 2 et 6, et en X 1, 9, 4, 16, 13, 12, 10 et 11. Donc ça, c'est un jeu qui coûte 16 euros plein pot et en flexi 50, 8 euros. Pour le multi, donc le multi en 7 avec 6 bases. Donc je vous ai mis le 7, le 5, le 2, le 6, le 1 et le 4. Et en X, 9, 16, 13, 12, 10. Et 11. Donc, je vous répète hein, les bases du multi. 7, 5, 2, 6, 1, 4. Donc ça, c'est les bases. Et en X, 9, 16, 13, 12, 10 et 11. Donc ça, c'est un jeu qui coûte 18 euros et 9 euros en flexi 50. Voilà les amis. Donc j'espère qu'on retournera voir la tête du caissier. Hein, demain, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ça aurait pu être, comme je vous ai dit, une superbe journée. Je vous rappelle mes coups de cœur. Donc, dans les favoris, 5, 6 et 2. Et dans les outsiders tocards, 7 et 9.
Voilà les amis, ben je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à demain. Allez, au revoir.